L'histoire d'Emmanuel Adebayor a commencé sur cette plage de Lomé, qu'il a quittée à l'âge de 15 ans. Après la victoire sur le Liberia, il y est revenu pour taper la balle avec quelques gamins. Au Togo, Adebayor est un héros national, l'homme le plus important du pays, dit-on, après le président. Et cela se comprendrait presque. Il est la star de ces éperviers qui drainent un peu de reconnaissance à un pays souvent oublié. Quand on dit Togo aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, Togo, il faut faire attention. » Mais il y a 4 ans, quand on dit Togo, Togo, ça se trouve où? C'est sûr qu'il y a 2 ans, si on me dit Togo, vous allez me dire « On ne connaît pas le Togo. » Mais aujourd'hui, vous êtes là parce que... Pourquoi vous êtes là? Parce que le football, ça évolue, ça change et tout. Pour moi, c'est, il n'y a rien de plus beau, c'est magnifique. On a fait de passer un moment inoubliable. Dans ma vie, j'oublierai jamais ce moment-là. Événement incroyable. Le Togo est en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il lui suffit d'un nul pour aller en Allemagne et cela bouleverse le pays. Lomé, capitale de cette ancienne colonie allemande puis française, vit désormais largement au rythme de son équipe nationale. Et sur le boulevard du 13 janvier, les pronostics sont toujours flatteurs. Il n'est pas une émission de radio ou de télé qui n'appelle au soutien inconditionnel. Et il n'est pas un prêche sans penser aux éperviers. Prions pour eux, les assurent que la victoire sera nôtre, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand même, c'est demain. Oui. Vive les éperviers. On me pique. On me pique. Mais j'aime pas les choses parce que j'aime mon pays, c'est tout. Les plus enthousiastes s'infligent toutes les peines, convoquent tous les saints, car les forces de la victoire se cachent évidemment partout. Depuis là, moi je gêne, je ne mange pas, je ne bois pas. Je gêne 7 jours sans boire de l'eau, sans manger, mais je fais quelques prières. Dieu va accepter, mais je continue. Le stade Kégué est toujours plein. 30 000 personnes se massent pour suivre cette équipe que rien n'appelait un si beau parcours. Composé de talents méconnus hormis Adebayor, il a fallu qu'un entraîneur, Stéphane Kéchi, inculque l'ambition à des joueurs qui n'en avaient plus depuis longtemps. Moi, ils ne m'ont pas cru, hein. Ils sont rigolés. Derrière moi, ils disent « Oh, mais... » Coach, il était fou, le Togo va aller à la Coupe du Monde. J'ai dit, oh, pourquoi pas? On a battu Mali au Mali, 2-1, ils se commencent à. Mais tiens, ça peut être vrai. On est allé au Sénégal, faire match, nous 2-2, c'est là, ils ont dit, ah, c'est vrai, le coach il a raison, on peut aller à la Coupe du Monde. Jusque dans les années 40, les Togolais étaient les meilleurs de la région. C'est ce qu'a fait en Benoît Messangnamé, mémoire de ce football, qui a fini par décliner par manque d'ouverture. Il faut rappeler que jamais le Togo n'acceptait à ses joueurs de s'expatrier. Et pendant longtemps, nous avons vécu en vase clos, sans expérience. Maintenant que des joueurs sont allés dans les pays européens, dans d'autres pays encore, jouer au football, devenir des professionnels, c'était un acquis important pour le football togolais. Et ce sont donc dans les championnats français, suisses ou belges que les Togolais bâtissent désormais leur succès. Mais comme dans beaucoup de pays africains divisés, l'équipe nationale est le plus grand dénominateur commun, surtout au Togo qui a failli sombrer dans la guerre civile en avril après la mort d'Eyadema et ses 38 ans de règne sans partage. Le pays est très divisé et il nous faut absolument la réconciliation nationale pour aller de l'avant. Nous espérons également qu'autour des éperviers, on puisse arriver à nous entendre ensemble dans la politique aussi. Pour Adebayor, ce n'est donc pas qu'une simple qualification qui importe. C'est aussi la volonté de créer un événement enfin partagé par tous.
Moi, tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de l'argent, c'est pas le football, c'est pas. Non, c'est de voir tous les gens qui sont vraiment là-haut. Dans ce pays, c'est à lui de donner, je sais pas, de donner du bon moqueur à tout le monde, comme on dit en français. Et il suffit désormais d'un simple nul au Congo pour qu'Adebayor guide les éperviers et tout un pays vers la plus énorme surprise de ses éliminatoires. Un nul pour que la liesse la plus folle s'empare du Togo. Deux ATG. Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.